Ik ben van de Limburg. Van Limburg, voor de rest van de mensen. Ik ben naar Brussel gekomen dus om klarinet te studeren. Nu studeerde, als ik toch in België woon, dan kan ik beter in Brussel wonen, denk ik. Dus iets opener vind ik als Vlaanderen op zich. Dus veel meer verschillende mensen samen. Er is niet één geest, maar er zijn duizend geesten. Un peu plus de swing parce que là c'était un peu orchestral, un petit peu machin. J'aimerais bien dans le cadre du jazz t'entendre. Pur jazz. Ah ouais, j'aime beaucoup. Et ça, j'ai pas pour l'instant. C'est vrai que c'est tout à fait différent. De toute façon, on peut attendre 3 ans. Oui, oui, mais non, ça sera pas 3 ans. Voilà, grand-père, ça a mis 3 ans. Oui, oui, quelque part, elle a raison. Ah oui, mais je me rends bien compte. J'ai envie de t'entendre dans le jazz parce que tu fais. Bah écoute, c'est vrai que je paye toujours mon loyer avec 3 moindres. Hein, bon, c'est pas nouveau, ça dure depuis 5 ans. Ça ne me dérange pas. Hein, mais oui, bien sûr. Bon. Mais c'est la première fois qu'il m'a envoyé un recommandé. Parce qu'il y a eu une plainte. Voilà. Tu as 60 photos de la Foire du Midi, tu as le montage, tu as les manèges, tu vois tout qui bouge, sauf le plan mer, quoi, c'est magnifique, quoi. J'adore. Oh, des camarades. Ah, ben, les danseurs. Ah, c'est pas comme ça. Ah, la fin. Allez, on va. Alors, il faut parler en français. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'il y a un mouton noir que le troupeau, il est mauvais, hein? On se joue d'allégresse, qui est dans un anderfless. J'ai vu très bien. Je vais boire un petit schluck, hein. Bien entendu, à partir du moment où vous connaissez la faune bruxelloise, où vous connaissez ce métissage de tout ce qui est wallon, flamand, bruxellois, ce côté moyenâgeux qu'est Bruxelles, en fait, cette petite place, ce patelin entre murs, cette porte d'Anderlecht, cette porte de Nino, cette porte d'Halle, cette brèche dans la muraille qui vous fait rentrer dans Bruxelles, eh bien, il faut le mériter. Vroeger dacht ik dat ik een echte Vlaming was. En met een tijd, als ik de Vlamingen zie, ik heb niet veel contact met Vlamingen. En dan ik zeg in mijn eigen, maar als het de Waalse feesten zijn met le coq wallon en al die combinatie van, daar heb ik absoluut niks mee te doen. Ik voel me, dat zijn imbeciles, fait de la communauté française. C'est pas fait de la communauté française, c'est fait des wallons avec lesquels je ne sens aucune solidarité. Geen solidariteit, ik heb daarmee niks te doen met die Walen. Maar met echte Vlamingen ook niet. En ook niet met extremisten. Dus dat is Une unité à part, je trouve ça très agréable. Je pense qu'on va peut-être utiliser la leçon aujourd'hui pour faire de la conversation sur Bruxelles. Presque tous les jours, il y a une personne qui m'a dit « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ça. On ne fait pas ça, il faut !» Et moi, je suis une petite j'en ai marre avec tout ça. Oui. Mais tu parles un exemple, dans quelle situation on t'a dit il ne faut pas faire ça? Ce matin, oui. Il y a un homme, et il m'a dit il faut tenir votre chien à l'aise. Moi, je trouve que mon métier d'encadreur, c'est faire des cadres, bien sûr, mais je dirais préciser cet accessoire. Parce que ça, c'est très matériel et c'est finalement très peu intéressant pour moi. Par contre, tout ce qui va avec, là, ça devient très gai. Parce que là, j'ai l'impression de faire œuvre utile. Parce que chaque fois qu'on dit à un client qui vient, qu'il soit client pour faire encadrer, qu'il soit client pour acheter quelque chose, même quelque chose qui est kitsch, qui n'a pas
pas de valeur artistique, ou en tout cas pas une grande valeur artistique, il fait une démarche, et cette démarche est toujours affective. Il n'y a pas quelqu'un qui achète une image sans qu'il y ait un côté affectif. Et c'est ça, arriver à trouver le fil, et dès qu'on tire à ce fil, on peut défaire le nœud parfois. Comment vous appelez ? Alors, je suis Monsieur Robin, le président de la ABL Papas 2000. C'est une ASBL, comme vous pourrez le lire, qui s'occupe des personnes âgées qui vont à l'hôpital et qui ont des animaux. Parce que j'ai constaté, après avoir eu 2 cancers, ayant été moi-même dans le même cas avec mon animal, qu'en Belgique, on ne s'occupait pas assez souvent de ce problème. Et voilà comment j'ai créé mon ASBL suite à mes maladies. Et je m'aperçois après 11 ans que j'ai vraiment bien fait, car c'est vrai qu'on manque beaucoup d'ABL comme ça. Pour ça, ici, c'était au bouillon, comme en Belgique, hein, tous des légumes, du poivre, sel et du bouillon, pas de pilé. J'ai pour les... Ça, c'est pour les noirs. Ah, du sambal. Regarde qu'il est presque vide. Il n'y a que 3 semaines que je suis à la foire. Allez, parti, hey, 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 3, 2, 1, let's go. Ik ben een Hollander. Ja, ik werk in een dagactiviteitencentrum. Dus dat is een voor personen met een psychiatrische problematiek. Ja. Dus mensen die een keer een depressie hebben gehad of psychose hebben gehad en meermaals. En die daardoor eigenlijk een chronisch patiënt zijn geworden. En in ons dagactiviteitencentrum kunnen we echt van alles doen wat we willen. Ik heb ook al fotografie gedaan, camera obscura gemaakt met de mensen daar. En allemaal rare foto's genomen. En op een dag, eigenlijk was het al langer dat we met de Terling wilden we wafels gaan verkopen. En toen hadden we gedacht van weet je, we gaan daar zo'n marktwagen voor aankopen. En daar de wafels mee verkopen. Dus dacht ik, we gaan iets veel eenvoudigers maken. Een fiets, dat is iets van onze tijd. Een driewieler waar je met 2 personen op kunt zitten. Dus wat je naast elkaar kunt zitten. Dat is veel plezanter dan een tandem waar je achter elkaar zit. En zo hebben we dan... Et ma tombe en français et à moitié en flamand, au fond Bruxelles. 1, 2, 2,5, 3, 2. Je tiens.
commande 11 bières.